Bonjour. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, les amis, de retour sur Call of Duty Modern Warfare 2 pour la saison 3 avec l'intervention camouflage en or dessus. Chose qu'on n'a jamais eu d'ailleurs à l'époque de MW2, ça n'existait pas à l'époque, le camouflage ultime, c'était le camouflage printemps. Et c'est vrai que tu te demandes un peu pourquoi, parce que le camouflage en or est apparu pour la première fois sur Call of Duty 4, donc Modern Warfare 1, on va dire ça comme ça. Et pourquoi ils ont pas gardé les camouflages en or pour Modern Warfare 2, c'est un mystère. Mais bon, ça faisait son charme aussi. Du coup, on va aller se le monter, on l'a en or, on va se le monter en platine, d'or et platine, bien sûr. Petite référence, bien évidemment, au philosophe. Bon, on va lancer une partie rapide. Bon, faut faire des tirs de loin, mais bon, le but c'est aussi de faire des petites games à l'intervention. Donc tu te mets là un peu en mode de loin, un peu en mode de près, et puis on verra bien ce que ça donnera. Et l'important c'est de s'amuser et de passer un bon moment. Je sais plus exactement. Ah, c'était des armes pour faire le camouflage d'événements que j'avais montré quoi. Alors là normalement il y a peut-être des petits tirs de loin à faire. Voilà. Ah, je l'ai vu le gars à gauche, mais je lui ai dit fuck, je vais mon tir de loin. Bah, j'ai l'air d'avoir un petit client pour les tirs de loin. Oh, on en profite, frérot! On en profite! Ah merde. Caca, je voulais dire. Excusez-moi pour le gros mot. Je réfute. Bon, au moins pour les tirs de loin, franchement, ça se fait gentiment. Merde, c'est. J'ai vu le point bleu derrière, j'ai cru que c'était un allié, c'était un ennemi. Oula, on l'a vu. Voilà. Bon bah écoute, oh ça va bien les tirs de loin. Allez, mange Satan dans le crâne toi. En plus j'avance un peu pour les défis du coup headshot pour avoir le polyatomique sur le Magnum. Ouais il est lent à viser quand même hein. Mais bon. Ah merde. Il y avait moyen de faire un truc quand même. Il y avait moyen de moyenner, mais moyennant quoi, ça n'a pas moyenné. Un truc. J'avais un truc sur le nez. Personne m'a rien dit. Hein. Alors je vous retiens. Ah bah. Coucou, salut Matmar, comment tu vas? Eh au moins on y va pour le poly. Ah bah voilà, polyatomique débloqué. Et t'as vu maintenant il y a le camouflage qui s'affiche dans les défis. Ah bah il y a des petites nouveautés comme ça qui sont sympas. C'est un truc qui aurait dû être là depuis day one, mais bon bah écoute. Eh 6 mois frérot hein. 6 mois pour l'avoir, ça va hein. C'est tranquille, c'est peinard. Bon, on va en profiter pour faire les petits tirs de loin ici, je sais pas si ça passe bien ou quoi. Oh merde. Ouais, il y a l'air d'avoir du tir de loin qui se profile. Dommage. Bon,
on va jouer un peu l'objectif parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de jouer l'objectif. Dommage. Oh, il y avait la quad feed en plus derrière, merde. Non, il me le vole, fils de chien, va. L'ennemi est sur le point stratégique, l'ennemi est sur le point de mourir. Merde! Mais d'accord, je suis derrière le mur, je me prends la grenade. C'est quoi cette blague? C'est une mascarade. Ah mais arrêtez, merde, vous me faites chier quoi! C'est pas un long shot ça. Ah ouais. Ils savent pas. On les a laissés gagner au début, les gars. Ils savent pas, les gars. Ils étaient là en mode ouais, on va gagner et tout. Il est gentil, le mignon. Attends, mais il y a des fois, je comprends pas. Hein. Tu vas one shot en tirant dans le pied. Et non, mais il y a personne qui se met sur l'objectif. Eh, les gars, vous craignez là. Bande de Flanders, va. Putain. Mais il y a des fois, tu comprends pas en fait comment. Comment c'est possible en fait. Ah, il nous a pété le cul, lui, ce bâtard, là. Oui, c'est un bâtard. Tu préfères SPX ou intervention? Ah, c'est un peu différent quand même. Je pourrais pas dire que j'ai une préférence maintenant. Vu que. What? Attends. Wow, c'était quoi ce truc là qu'il avait lui? Ça avait l'air d'être pas mal hein. Hey Weenie, go eat shit buddy. You fucking stink. You fucking stink, pal. Dites-moi, allez manger de la merde. Voilà. Va manger de la merde. Vite. Comme par hasard quand je m'assends c'est shoot house quoi. Allez let's go, c'est parti, on y va en mode headshot frérot. L'intervention bang. Et merde. Voilà, on est tombé sur des fous. Oh putain. Oh putain. Je suis avec Sky. Oh putain, je suis avec lui. Je sais pas qui c'est mais je suis avec lui. Ah oui, c'est un Québécois lui. Et avec l'accent, oui, effectivement. Oh là là. Ah, il est trop bien, il est...
Imperium. Double the neck. Ah, bien joué. Un petit headshot. Rose dans ma game. Derrière, derrière. Oh fuck! Son. Ben dis donc. Pour moi, ça fait du headshot, hein. Ça came dans les coins. Pas le temps de niaiser. Eh non, pas le temps de niaiser, frérot. Je reviens pas chez Skyrose. Le roi du sniper. Eh, ils sont où les gens? Ah. Comment qu'il s'appelle? Shelly Shack. Shelly Jack. Ah, le petit quickscope qui rentre. Il y en a un on top, dans les fenêtres. Petit fils de pute CDL, saute partout. Regarde-moi ça, c'est... Hey, c'est des... Ah oui, le petit quickscope. Ah oui? Pas de feed? Ah non. Good shit. Ok. Ah des lapins mais c'est horrible. Ah GG. Merci. Bien joué. Ouais, y a du fair play, ouais, c'est bien. Bon, moi je suis fair play aussi, hein, je dis juste que ceux qui sautent partout avec skin CDL c'est des fils de pute. T'imagines le bâtard. What? Skyrose. Ouais, GG les gars. Ouais, GG, mais merci. Avec toi. C'était sympa. Ah, putain, c'est toi, man. Oh my god. Aïe, aïe, aïe. Yeah, insane, and GG, Skyrose. Ah, GG à vous, c'était cool. Merci. Merci.